O primeiro filme de animação da história do Brasil vai estrear-se pela primeira vez na Europa, no âmbito do Festival Internacional de Filmes Independentes de Genebra, o Black Movie, que decorre na próxima semana. Realizada por Anélio Latini Filho, a película foi descoberta pelo programador da secção do certame, dedicada às crianças, quando pesquisava sobre a história do cinema de animação brasileiro. Et du coup, c'est vraiment un film historique parce que c'est donc qui date de 1953, donc qui n'a pas été fait à l'ordinateur, mais uniquement à la main, et qui est composé de 500 000 dessins faits à la main par une seule personne à qui ça a pris 5 ans de travail. C'est-à-dire qu'au même moment, dans les studios Disney, les gens travaillaient déjà avec des grosses équipes, et lui, non, pendant 5 ans, tout seul, il a fait ce film qui restera son unique film. Et du coup, c'est vraiment un trésor qui bah, que j'invite tous les fans d'animation à voir parce que c'est assez fou de voir ça. O Black Movie distingue-se pela exibição de filmes inéditos na Suíça, com elevados critérios de seleção, um nível de exigência que é aplicado da mesma forma ao Petit Black Movie. Este ano, a secção do festival para os espectadores mais pequenos destaca o cinema de animação brasileiro, com 4 longas-metragens e 14 curtas. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'édition 2014, nous nous sommes rendus compte que depuis plusieurs années, et même dans tout le paysage des festivals à Genève, il y a très très peu de films sud-américains. Donc déjà à ce moment-là, j'ai choisi de travailler là-dessus. En avril, j'ai découvert le film O Menino e o Mundo de Ale Abreu. Et c'était vraiment le choc. Donc c'est un film brésilien, c'est je pense un des plus beaux films d'animation que j'ai vu de ma vie. Et je me suis dit en fait que s'il y a ce film-là, c'est peut-être justement la partie visible de l'iceberg. Et qu'au Brésil, il doit y avoir plein de gens derrière qui doivent faire des films magnifiques. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à fouiller pour trouver justement d'autres films. Para Teta, a animação brasileira destaca-se de tudo o que é feito nos outros países. C'est très beau esthétiquement, très coloré. Au niveau formel aussi, c'est luxuriant. C'est-à-dire qu'il y a autant des films qui sont faits à l'ordinateur que d'autres qui sont faits à la main. Là, on trouve quelque chose de différent et de beaucoup plus frais. Aussi des films qui sont moins formatés pour enfants qu'on trouve ici, donc qui refusent l'infantilisation et qui peuvent convenir autant aux adultes qu'aux enfants. Donc du coup, c'est un cinéma qui est, pour moi en tout cas, plus libre et plus vivant. A 16ª edição do Black Movie, que decorre de 16 a 25 de janeiro na Casa das Artes e no cinema Diogo Rutli, em Genebra, vai acolher ainda 2 convidados brasileiros, o realizador Davi Preto e o ator João Carlos Castanha.